You are now watching the M2 Show. Show. Yeah. M2 Show. The M2 Show. Yeah. Sit down and watch, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are, if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion, entertainment, will I let you know? Paris and white and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Ça dépend d'où vous vous trouvez en ce moment. Mais non, là, M2 Show est devant FEI, ou AFI, ou AFI en français, Theater, ici à Silver Spring, où nous sommes venus pour la première fois. Nous avons été invités à regarder, en tant que presse, à suivre le movie, regarder le film congolais qui vient de sortir ici aux États-Unis et qui cartonne trop fort ici à Washington et plus précisément aux États-Unis. Nous avons entendu parler sur M2TV, vous avez aussi entendu parler sur MTV ici aux États-Unis. Tout le monde en parle, le film est en train de faire fureur ici aux États-Unis. Si vous ne me croyez pas, regardez le website du film, vous verrez et vous aurez beaucoup plus d'informations. Mais là, Roger Munturaja de M2 Show, juste pour vous dire que derrière moi, nous sommes venus suivre le film qui va se passer bientôt ici et tout le crew est venu regarder et voir le film qui a été réalisé, directed par Joe Munga, notre frère congolais qui a travaillé trop dur sur ce film et beaucoup d'acteurs que vous allez voir d'ailleurs dans ce film, vous les reconnaissez comme mon ami Pacha qui est Pacha B, qui est un artiste chanteur, mais aussi artiste ou acteur cinéaste que vous allez aussi voir dans ce film. Donc, nous vous disons déjà que ça sera fort, ça sera chaud. Pour la bande à mort, nous sommes place, nous sommes aux alliés. Donc, ils ont remonté, ils ont le remonté à ma casse, ils l'ont aux alliés. Ah ouais, ils ont tombé la paix culture quoi. Ils ont remonté un moro, faut être un peu fier. Il y a ma frère, celui de Salim Moussala qui toque. ViVA RIVA, ils ont filmé moro, ils ont cartonné dans les États-Unis. Ils ont été témoins, puis ils ont été au film en haut. Presse, pendant que tu es au haut, ils ont invité, puis ils ont été au haut. Donc, film, ils ont dansé. Nagoloba mingité mais soki boyoki eye na ville na bino boke negotala ngo kwa. Donc juste derrière ngai eza movie theater de awa na kati ya Silver Spring downtown bato bazala ko to bayebi eza donc salle mora cinéma munene vraiment que tout le monde dans le coin connaît. Donc soki boye brutal ngo awa à partir il y a le 24 juin mais partout ailleurs aux États-Unis ba date na bango eza na website na bango ou website ce boke ina vivariva.com. Comme vous le voyez sur vos écrans, allez voir ce film. C'est un film qu'il faut supporter le frère. Ils ont travaillé dur et en tout cas, ils vont aller loin parce que ce film va aller loin. Je vous le dis parce que je sais et j'ai vu. Il est à Okaoka. Et Okaoka le sous davantage. Riva! Riva! Dimba tout, eh. $5, $6, $10 les litres. Oui, oui, ça. Tout le cambo. Là, on a pas ça pour nous, c'est que nous avons parlé. $1,000 dans la mise pour la mère. Ce
C'est un très grand film que beaucoup de membres de la communauté africaine ont apprécié. Ce film a remporté beaucoup de prix, comme vous l'avez entendu, au Nigeria et partout dans le monde où ça passe, à Berlin, au Canada et aux États-Unis, en Californie, pourquoi pas. Donc là, maintenant, là, nous sommes devant, derrière moi, comme vous le voyez, c'est le movie ViVA RIVA qui va se passer en ce moment. Vous voyez les jeunes qui sont en train de venir derrière moi, ils sont tellement excités parce que Moni Penage, poster à ViVA RIVA. Et ça, c'est déjà donc Mpitaka Nyadanze. Donc, film Oyo, c'est un film congolais qui cartonne, déjà qui fait du bruit. Sold out, il y a blague T. Sold out dans chaque ville, ViVA RIVA et Zoleka. Et ça, sold out. Sold out, là, qui s'y place, et ça, sous-souté. Donc, maintenant, moi, je suis en train de vous parler. Nganazui Tiki Yasuka. Le dernier billet, c'est moi. Donc, Nganazui Tiki Yasuka pour Nakotana ViVA RIVA. Parce que ViVA RIVA et ça, Danze. Un film fait complètement en lingala. Complètement en lingala. Mais très bien filmé, très bien acté. Le directeur qui a très bien joué là-dessus. Vous allez le voir, puisque ce soir, nous l'aurons avec nous. Vous allez voir que le directeur sera là. Et il va nous parler, il va nous dire un peu ce que lui, il est en train de penser. Qu'est-ce qu'il était venu en tête pour créer ce film, pour écrire ce film. Nous avons entendu d'autres scoops déjà que ça lui a pris beaucoup de temps pour écrire ce film. Ça a pris 7 ans environ pour écrire ce film et aussi pour avoir les founding. Les founding, c'est l'argent en fait pour financer, le financement comme on l'appelle en français, ce film. Et voilà maintenant que ce film, après la patience que les directeurs du film a eu, aujourd'hui nous sommes là sur AFI. Aujourd'hui nous allons voir ce film que ce directeur congolais a travaillé dur. Le coup pour la Congo. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Quoi. Nous allons entrer bientôt. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, on ne va pas tout vous montrer parce que le screening que nous sommes en train de faire, c'est privé pour le moment. Mais le film sera release ici à Washington le 24 juin, ici à Washington. Donc, comme vous voyez déjà sur l'écran, le 24 juin, ça va exploser ici à Washington parce que ça sera donc ViVA RIVA Penda, que va te beler l'Amérique, un film réalisé par un Congolais, acté par les Congolais en lingala, s'il vous plaît. Donc, Hermo, il faut le coup, Mamboka, il faut toujours que vous ayez moins respect. Il y a ce qu'un Congolais peut faire, quoi. Qu'un Congolais ne peut rien faire, vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc, allons-y voir le film et nous allons vous parler quand on sort encore. Venez. Quel sous l'avantage? RIVA! RIVA! Dis-moi tout, yo. Même ça que nous. 5, 6, voire 10 dollars le litre. Oui, oui, ça. Tout le cas, bon. Non, 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 je vais te faire mal. Like the movie. I thought it was rated X, but the story was still good. Yeah. Like the filming and everything else. Oh yeah, yeah. It really I was actually thinking that it would be like a low budget movie. You know those Nigerian movies, how the quality is really bad. No, it wasn't like that. The image was really good and so you're pretty much satisfied with it. Yeah, just and the story was very unpredictable. Exactly. So do you like the ending of the movie? Yeah. Well, I hope he realizes how much money it is and he doesn't throw it away. What do you have to say to the... If I was him, I would look for the keys and, you know, drive away with the money. That's right. That's what I'll do. What do you have to say to the director and actors? Keep up with the good work. Keep up with the good work. And it's really a milestone, you know. A director, you know, coming out of Africa and, you know, putting up some good movies like that. And I'm looking forward to more movies from him. Thank you so much, sir. I appreciate your time. Thank you. What's your name, sir? Rudy. Rudy. That was Rudy. Thank you so much, Rudy. That was Rudy. He just came from the movie theater, of course, to see this film. Ici, comme on est aux États-Unis. Voilà, je vous ai dit. Ça s'est passé. Comme vous voyez, ce sont des gens qui viennent de voir le film et ils sont en train de donner un peu le comment de ce film-là qu'ils viennent de voir. On va continuer un peu à demander les autres qui viennent
derrière nous, on va voir. Sunita, tell us about the movie. How'd you like it? It was amazing. The fact that a movie is in Lingala, right, and it's going to be shown in the United States, it's amazing. I mean, I don't know if he's trying to teach something, but right, he got it. Right. I mean, that's one part that I really enjoyed. Mm. That the movie was pretty much the whole entire movie in Lingala, and people kind of follow, and the people were kind of on the following the movie and laughing when it was funny, right, right, and doing all this thing. Right. I mean, and that part, it nailed it. So it's a what message you have for the director and the all the actors? One other thing's only the only thing he I think that the producer is a little bit too pessimistic, mm-hmm, about the DRC, mm-hmm, but and too much sex. I mean, yes, like extreme. It was not, that's porn. Okay, for our culture. Call it porn because yeah, it was yeah, porn. Yeah, but yeah, other than that. Other than that, right, it was very good. I like the main actor. Mm-hmm. He played really good. Mm-hmm. And I mean, it was one question I'm going to ask him is, why is it a gangster from Angola? Oh, my God. The Angola will be... it's like the Congo don't have no gangster. Exactly. So I don't know if you want it to be nice or anything, but right, the movie, in general, it's a very good movie. Right. It reminds me of Scarface, mm-hmm, most of the time, and Pulp Fiction. Right, right. So, Pulp but Fiction. In Lingala. So, yeah, that one, was really I was proud. That was Nita. Thank you so much, Nita, for your time. That was Nita. We're going to try to see if we can get also some other people on. Let's come here on this side. Yes, ma'am. What's your name, please? My name is Anita Glick. Anita, tell us about the movie. You just watched ViVA RIVA. How did you like it? I liked it a lot. Yeah. And I have been to Africa. Right. What part? Oh, actually, I've been to East Africa. Right. Yeah. You haven't been to Congo, though? Not yet. Okay. Is this film giving you an image of the Congo? Give me a what? An image? Big absolutely. Picture. Right. Absolutely. Right. Right. Absolutely. Right. Right. And what do you have to tell the director and the actors who made this film? I thought the director was wonderful. And we did have a Q&A, mm-hmm, and he was extremely informative. Mm-hmm. Mm-hmm. And it always enriches a film, mm-hmm, to have someone associated with the film speaking to that's you. Correct. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much, Anita. Sir, how you doing, sir? Hi, I'm doing fine, thanks. What's your name, sir? Andrew Haas. Andrew, can you tell us, please, about the film? Did you watch the film? Yeah, I did, yes. Yeah. Do you have any critic or anything you want to talk about? No, I mean, it was very entertaining. Mm-hmm. The actors, the cast did a great job, right, and it was very, a lot of realism, so, right, yeah. Is this the first time you see a film from Africa? Or you've seen I've seen other films from Africa, not, you know, certainly not from Congo, right, but not so much from Central Africa, more north or... Right. Southern Africa. But overall, you enjoyed the film? Yes, it was certainly entertaining and certainly kept me riveted. Right. So, that's yeah. Cool. Thank you, Andrew, for your time. Look at it like you didn't experiment. Nah, that's when you start to stare at who's in the mirror and see yourself as a kid again. And you get embarrassed, then I got nothing to do but make you look stupid as parents. You do good, it's too bad you couldn't do good at marriage. And do you have any clue what I had to do to get here? I don't think you do, so stay tuned and keep your ears glued to the stereo, cause here we go. He's jiggin' to a chicken, and I'm the sinister Mr. Critical. Never been afraid to say what's on my mind at any given time of day, cause I'm a renegade. Been afraid to talk about anything, renegade. Never been afraid to say what's on my mind at any given time of day, cause I'm